Le soleil était au rendez-vous de la brocante et de la fête du pain organisée le 25 juin par la ville. Cette année, les habitants pouvaient également profiter d'une fête foraine. L'objectif était de permettre à tous les Gonessiens, petits et grands, de vivre une belle journée festive et conviviale. Alors, cette journée, c'est une journée de festivité dans le cadre du mois citoyen de la ville de Gonesse. Et tous les ans, il y a une brocante vide-grenier qui est organisée avec la fête du pain. Cette année, on a rajouté la fête foraine. Et le principe, c'est que les Gonessiens puissent participer en venant vendre les objets qui n'ont plus d'utilité, mais qui peuvent servir à quelqu'un d'autre. Donc c'est un moment de fête, de convivialité. C'est la place Jean Jaurès qui a accueilli la fête foraine. Avec ses auto-tamponneuses qui attirent toujours autant d'amateurs, ses stands de tir à la carabine, de chamboule-tout et bien sûr de pêche au canard. Les manèges n'avaient pas été oubliés. Des manèges pour les enfants sages et des manèges pour les plus grands, ceux qui ont le cœur et l'estomac bien accrochés. La fête du pain s'est déroulée sur la place Charles de Gaulle. Des boulangers venus dans leur fournil mobile ont expliqué aux enfants l'importance du pain dans une alimentation équilibrée. Il faut utiliser une farine, au moins un type 80, un type 110, qui apporte à la fois de l'amidon, mais qui apporte aussi des fibres, des oligo-éléments, des minéraux, des vitamines, etc., des acides gras. Donc oui, la qualité est importante, surtout au niveau des enfants. Et ils sont très réceptifs. Et quoi de mieux que de faire son propre pain ou sa viennoiserie? Les enfants s'en sont donnés à cœur joie. Guidés par des boulangers pédagogues, ils ont mis la main à la pâte pour donner forme à leur création. Autre événement plébiscité par les enfants, la ferme pédagogique et ses animaux qui s'ébattaient sur la place. Poulets, oies, canards, moutons, chèvres et cochons ont réjoui les petits mais aussi leurs parents. La place Charles de Gaulle a également accueilli des animations proposées par des associations locales comme cette démonstration virtuose de danse country suivie attentivement par les spectateurs. La brocante, rendez-vous annuel des chineurs gonessiens, s'est étalée le long de la rue de Paris et de quelques artères adjacentes. En famille, entre amis ou seuls, les visiteurs ont parcouru les stands à la recherche de la bonne affaire parmi de nombreux objets, vêtements, jouets et livres proposés. Selon l'avis de la très grande majorité des participants, la journée fut un succès. Une impression partagée par le maire de Gonesse. Bien, les impressions sont bonnes, c'est une fête populaire. Sur les 200 exposants, il y a 175 gonessiens, donc c'est une fête aussi gonessienne, préparée par Rachid Twil, qui est le conseiller municipal délégué aux fêtes, et puis les services de la ville. Donc, côté météo, vous le constatez, il fait beau, il fait moins chaud, on respire mieux. On aimerait maintenant qu'il y ait encore un peu plus de monde, c'est ce qu'on me dit, ce que me disent les exposants, mais tout le monde est satisfait de l'organisation, donc c'est ça l'essentiel. Le bon déroulé de la journée a été notamment permis par les employés municipaux qui se sont mobilisés pour assurer son organisation, son déroulement, ainsi que la sécurité de tous les participants. Un certain nombre d'entre eux a assuré la mise en place et le maintien d'un dispositif de sécurisation empêchant les véhicules de pénétrer dans le périmètre de la fête.